Bonjour les aliens, euh, bienvenue dans cette vidéo où j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de savoir euh, ce que j'ai prévu, si ça vous convient, la façon dont je vais le faire, est-ce que ça vous convient Alors surtout, ne me faites pas plaisir, hein, je vais faire un sondage après, euh, faites ce que vous, vous avez envie, votez pour ce que vous, vous avez envie euh, que, que je fasse et la façon dont vous voulez que se passent les lives, puisque ça va euh, essentiellement concerner les lives. En tout cas, merci à tous ceux qui sont toujours présents sur les lives. Aujourd'hui, il va y en avoir deux. On va continuer euh, sur euh, The Banishing euh, Ghost euh, New Eden. Euh, Banisher, pardon, Ghost New Eden. Et ce soir, on va commencer le Let's Play de euh, Final Fantasy VII. Euh remake Intergrade euh, puisqu'il n'est pas encore sorti sur PC le nouveau et euh, donc du coup c'est l'occasion de commencer celui-là pour euh, plus tard quand il va arriver dans quelques mois sur PC on puisse euh, enchaîner la suite et euh, ce que je voulais faire dernièrement c'était euh, changer un peu la façon dont je faisais les lives c'est à dire qu'on passait d'un live à l'autre <laughs> Et euh, du coup, les, euh, les lives se terminaient, euh, enfin, on finissait les lives euh, très tardivement. On les abandonnait pendant un certain moment quand il y avait un nouveau jeu qui sortait. Euh, pareil, on jouait un petit peu à ce nouveau jeu qui sortait et on allait après, par la suite, arrêter ce live-là aussi pour euh, partir sur un autre jeu qui vient de sortir. Et euh, durant ma convalescence, là, pendant une semaine, euh, j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit est-ce que ça serait pas mieux de euh, comment dire, commencer un live euh, comme c'était le cas là par exemple, là, depuis une semaine je teste pour voir ce que vous en pensez, euh, est-ce que ça serait pas mieux de faire par exemple The Banisher, euh, c'est un exemple, hein, ça pourrait être n'importe quel autre jeu. Est-ce que ça ne serait pas bien de commencer euh, The Banishing euh, Eton, euh, enfin, New Eden, de le finir, et une fois qu'il est fini, on passe à autre chose. Alors, euh, donc ça impliquerait que euh, le mardi, le mercredi, le jeudi, euh, le vendredi, euh, alors vendredi plutôt dans l'après-midi, euh, on ne jouerait que à ce jeu-là tous les jours. Euh, le soir, on reviendrait, euh, comment on s'appelle, aux soirées frissons? Le samedi euh, on ferait euh, comment s'appelle On reprendrait la saga euh, Mass Effect. Euh, le soir on passerait sur un autre jeu. Euh, et puis le dimanche et lundi, vous le savez, je suis de repos. Euh, alors l'avantage de, de cette méthode, en ce qui me concerne, c'est euh, de pouvoir finir euh, les jeux euh, avant d'en attaquer d'autres. Euh, et que bon, on ne se retrouve pas avec plein de jeux. Euh, en cours de, 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 de let's play et puis qui se finissent euh, euh, très tard, puisqu'on est obligé de passer d'un jeu à l'autre. Euh, L'inconvénient, c'est que du coup, ça va manquer de diversité. Et euh, bah, les gens qui aimaient bien qu'on passe d'un jeu à un autre pour changer un peu l'univers, euh, etc., euh, risquent d'être déçus parce que euh, il suffit qu'on tombe sur un jeu que vous aimez pas ou que vous appréciez pas particulièrement. Euh, du coup, vous allez vous dire :« Bah non, celui-là, euh, il, il va le faire pendant une semaine, donc du coup, je vais passer sur un autre jeu. » Donc là, j'ai vraiment besoin de vos retours. Euh, donc là, je vous fais cette petite vidéo-là euh, pour avoir votre ressenti. Euh, je vais vous mettre un sondage dans la rubrique Communauté pour que vous puissiez voter euh, et me dire ce que vous préférez qu'on fasse. Euh, donc euh, il n'y aura que deux réponses possibles. Soit euh, la première alternative que je vous ai proposée on attaque un jeu, on le finit et on passe au suivant. Ça n'empêche pas, euh, comme je vous le disais, que euh, le, 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 à partir du vendredi, on fera de toute façon deux jeux. Le samedi, on passera sur autre chose. Le dimanche, euh, lundi, je suis de repos. Et le mardi, on recommence euh, comme ça. Euh, <coughs> Moi, très honnêtement, les, les deux me vont. Sauf que alors il ne faut pas voter pour me faire plaisir à moi, hein. il faut voter pour ce que vous vous attendez, la chaîne elle est pour vous, elle n'est pas pour moi, hein. voilà. Donc j'essaye de passer en phase 2 hein, comme monsieur Julien euh, siez. Qui est, qui est en phase 2 là, actuellement de sa chaîne. Donc on passe à la phase 2 de la chaîne également, puisque maintenant euh, il faut Marveliser hein, les, 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 les termes de, de, de YouTube. Hein, il faut se mettre à la page. Donc Marvel fait du euh, phase 2, phase 3, phase 4, phase 54. Donc du coup, euh, là les youtubeurs commencent à faire de la phase 2. Euh, moi je suis mort de rien parce que... Mais bon. Wow, il est gentil de vue, on l'aime bien. Euh, il reprend des programmes d'il de, y a 15 ans, il les réactualise. C'est bien. D'ailleurs, Pierre Lescure va être vachement content de voir que qu'il euh, fait passer un nouveau programme. Alors, ça n'a rien à voir, hein, mais Pierre Lescure va être content. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Lescure, c'était le mec qui était directeur de Canal euh, ⁇ Il fait euh, maintenant des émissions, euh, je sais plus comment il s'appelle cette émission, où il interviewe des gens dans la rue. Dans... Enfin, il interviewait je sais pas si cette émission existe encore. Il interviewait des gens dans la rue. Tout tout ça machin, et compagnie, on s'arrêtait devant des monuments historiques à Paris. Il allait boire un café avec les gens, tout ça. Donc là, il vient de faire la même chose avec euh, les, les papas de Final Fantasy. Et euh, le gars te présente ça comme euh, un programme révolutionnaire, phase 2, euh, voilà, euh, etc. En fait, il a juste copié Pierre Lescure. Ce que beaucoup d'ailleurs de, 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 de Youtubeurs font, hein. ils vont reprendre des émissions de télé des années 80-90, euh, ils les modernisent, ils les adaptent aux jeux vidéo, et puis font genre euh, on a créé un nouveau programme. Donc euh, voilà, mais euh, voilà, ça c'était une autre histoire. Euh, donc moi je veux, je, je ferai aussi une phase 2 sur ma chaîne, hein, bien évidemment, hein, euh, évidemment. Et si ça peut apporter du monde et puis que les gens se disent Ah mon dieu, on est en phase 2 et tout, c'est trop génial, qu'est-ce qu'il a prévu pour la phase 2 Ça c'est des thèmes marketing pour vous faire venir. Euh, donc on va aussi essayer d'utiliser ce genre de, 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 de choses mais on va le faire de manière euh, honnête et etc quoi. Euh, Donc dites- moi dans les, euh, dans les commentaires ce que vous pensez de non pas euh, mon petit troll sur euh, monsieur Julien euh, Fièvre. Euh, vous aurez tous compris que évidemment je ne parle pas de, 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 du gars de Gamon et, et de comment il s'appelle son pseudo normalement c'est Gollum euh, <laughs> donc c'est pas de Gollum que je parle hein, c'est un Nerzette euh, si si c'est lui que je parle je vais pas me défiler euh, donc bref euh, votez dans les commentaires pour me dire ce que vous préférez est-ce que on fait euh, un jeu euh, tous les jours le même Jusqu'à ce qu'il soit fini pour qu'on puisse passer euh, à un jeu suivant par la suite et qu'on ait plus de, de let's play qui soit terminé rapidement plutôt que d'avoir plein de let's play qui sont en cours. Encore une fois, je ne veux pas vous inciter, je ne veux pas vous influencer, euh, j'ai pas de préférence. Euh, après, c'est c'est en fonction de ce que vous vous préférez. Euh, si vous préférez régulièrement découvrir d'autres jeux, si vous préférez, euh, comment ça s'appelle, quand vous, un jeu vous plaît, euh, qu'on le fasse, euh, voilà, euh, jusqu'au bout. Et euh, on n'oublie pas évidemment les jeux qui sont en cours. Hein, on va revenir sur Avatar, on va revenir sur tous les jeux qui sont, qui sont en cours. Mais, euh, comment s'appelle, il y a des jeux qui vont sortir la prochaine prochainement, genre euh, Horizon euh, Forbidden West sur PC. Il y a, euh, comment ça s'appelle, Alone in the Dark qui va sortir euh, sur PC. Je ne l'ai pas encore précommandé, mais je Précommandé il y a, au mois de mars, il y a beaucoup de jeux donc euh, voilà, il va falloir arriver à gérer. Et si chaque mois on cumule, euh, quand on s'appelle des, 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 des let's play qui sont pas finis euh, parce qu'on passe d'un jeu à un autre, euh, on va se retrouver à un moment donné euh, complètement débordé. Enfin, moi je vais me retrouver en, en tout cas complètement débordé. Mais c'est pas euh, le travail que moi j'ai derrière euh, qui doit vous euh, interpeller. C'est ce que vous, vous avez envie de voir euh, sur la chaîne. Voilà, donc je fais pas très long euh, sur, ce, sur ça. J'en ai fait un petit peu trop. J'ai essayé de mettre un petit peu d'humour, un petit peu de troll, un petit peu de machin dans le truc. Bon, ça te plaira. Ça plaira pas, c'est pas grave. C'est comment euh, s'appelle l'alien du web, c'est Gaming, euh, On est là aussi pour mettre un petit peu euh, au courant les gens de ce qui se passe euh, chez certains youtubeurs qui, comment euh, euh, s'appelle, euh, font genre euh, j'ai inventé un nouveau programme, je suis nouveau machin, et en fait le mec ne fait que piquer les trucs des autres. Et je trouve ça absolument magnifique, euh, d'autant que la plupart des gens qui regardent sont complètement incultes et euh, ne savent pas ce qui se faisait avant et donc prennent ça pour argent comptant. Et euh, le gars est porté en héros parce que le gars, voilà, il a eu une idée trop géniale. Alors qu'en fait, il s'est contenté d'aller piquer ça. Alors, à quand euh, l'émission de euh, comment dire, de Thierry Hardisson, où il invitait des gens euh, à dîner le soir euh, Donc, un de ces quatre, on va le voir en phase 2 euh, ou en phase 3, on ne sait pas. Hein, euh, faire euh, venir des développeurs, euh, manger autour d'une table chez lui, avec Carole, avoir des conversations, euh, voilà, etc. Comme également. Euh, euh, l'avait fait euh, l'acolyte de Thierry Ardisson euh, mon maître à penser à moi, hein, euh, celui qui faisait des blagues cachées, je ne me rappelle jamais de son nom mais euh, voilà, bref euh, donc en fait en ce moment Youtube c'est un peu dommage parce que on va les pomper à la télé, euh, on va pomper sur la télé, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, on va pomper sur la télé euh, des concepts qui, sont, qui ont 20 ans, 30 ans euh, que la jeune génération ne connaît pas et que, euh, comment on s'appelle euh, voilà, on adapte euh, en version Youtube, je suis pas sûr que c'est la meilleure des solutions, puisque comment on s'appelle quand on vient sur Youtube, on vient pas regarder une émission de télé on vient regarder du Youtube euh, mais bon, apparemment ça a l'air de plaire surtout aux gens qui sont euh, vraiment des fanboys de ces, euh, de ces influenceurs et qui euh, gobent tout ce qu'on leur dit. Et c'est moi le problème que j'ai avec les influenceurs, c'est que les mecs, euh, voilà, font faire n'importe quoi et font gober n'importe quoi à tout le monde. Euh, moi, c'est pas mon style. Euh, c'est pas de la jalousie, hein, c'est pas rien du tout. C'est un constat. C'est voilà, pour vous informer en même temps. Et donc voilà. Donc n'oubliez pas, allez dans la rubrique communauté, votez. C'est très important pour savoir euh, comment s'appelle euh, ce qui, est, euh, ce qui vous convient de mieux. Alors, évidemment, quand euh, on s'appelle Il y en a qui vont pas avoir aimé ce que j'ai dit, qui vont euh, comment dire, se désabonner, machin, etc. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission sur. Euh, enfin, une vidéo sur euh, Sony, je n'ai fait que rapporter les faits. Hein. Euh, on a perdu deux abonnés, deux abonnés qui, euh, visiblement, n'ont pas aimé quand on dise euh, voilà, bah, ce qui se passe réellement chez, euh, chez Sony. Je n'invente rien. Hein, si vous êtes, euh, comment s'appelle, des gens qui euh, euh, ont des doutes sur ce que je dis. Euh, bah, vous faites une recherche sur Internet, hein, tout simplement. Vous verrez que Sony, euh, voilà, ce que j'ai ce dit, c'est partout sur Internet. Si vous cherchez évidemment aux bons endroits, si vous allez chercher chez les euh, pro-Sony, bah évidemment on va vous dire le contraire. Euh, maintenant, si vous cherchez euh, comment on des gens qui analysent euh, froidement euh, le jeu vidéo, etc., etc. Euh, vous verrez que ce que je vous dis, ce sont les faits et la, 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 la vraie information, et non pas du, du, du dommage collatéral pour aller euh, comment on essayer de calmer et d'apaiser les esprits. Sachant que euh, comment s'appelle Sony est dans une situation extrêmement délicate et on en parlera très prochainement dans une, euh, dans une vidéo. Alors il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette semaine mais par contre attendez-vous à en avoir beaucoup la semaine prochaine, euh, plein de types différents euh, de de découvertes de, 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 découverte de jeux. Il euh, euh, y a les jeux Nakon là, qui ont été présentés il y a pas longtemps. Je vous en parlerai. Je vous ferai une vidéo sur chaque jeu Nakone avec euh, comment s'appelle euh, la description du jeu, ce que c'est, ce que j'en pense, si si c'est intéressant. Pas intéressant euh, parce que Nakon c'est un éditeur un peu spécial, il est capable du pire comme du meilleur euh, et dans ce qu'on a pu voir il y a comme d'habitude des trucs qui sont bien mais il y a des trucs qui sont euh, vraiment bof et euh, par contre qui bénéficient de magnifiques bandes annonces et euh, souvent les gens c'est les bandes annonces qui regardent, comment euh, ça s'appelle et si c'est beau c'est bon j'achète alors après, chacun a sa façon de, 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 de décider de comment ils vont acheter un jeu. Euh, moi, personnellement, je suis plus orienté, comment euh, on s'appelle, profondeur euh, de scénario, profondeur de, de gameplay, euh, etc. Euh, que le jeu soit intéressant, qu'il soit moins beau que celui d'à côté, euh, j'en ai rien à cirer. Euh, moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir euh, un jeu, et non pas, euh, comment dire, un film interactif avec euh, un gameplay extrêmement limité. Donc tout ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. En tout cas, j'espère qu'on va passer un bon week-end ensemble. Exceptionnellement, je pense que je streamerai quand même dimanche, euh, parce qu'on a quand même pas mal de retard. Par contre, lundi, je serai vraiment de repos euh, à fond. Et puis, bah, je vais essayer, comme je vous l'avais dit, d'avoir le dimanche et le lundi de repos. Euh, mais quand on sera dans des périodes comme ça où il y a beaucoup de jeux qui sortent, euh, le dimanche, je m'en servirai aussi pour faire avancer les, les, les lives, faire avancer les, les let's play. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que bah, cette vidéo, vous aura donné une idée de comment euh, euh, j'essaye de, de faire en sorte que euh, vous soyez les premiers. Euh à, 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 à pouvoir euh, comment dire, me donner une orientation sur la chaîne en fonction de ce que vous attendez ce qui ne veut pas dire que moi je ne vais pas faire ce que j'ai envie de faire hein. c'est pas, pas vous qui allez décider de ce qu'il va devenir la chaîne si vous allez dans le sens de ce que je comment de, de, de ma ligne éditoriale et de ce que je veux faire euh, comment ça s'appelle bah évidemment je, je vous écouterai euh, tous les conseils sont bons mais je ne suis pas non plus toujours tous les conseils et il y a de bonnes raisons à cela. Là, c'est un peu différent parce que, comment ça s'appelle, c'est la façon dont faire les lives. Là, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas, je ne veux pas vous imposer une façon de le faire. Euh, par exemple de vous obliger à suivre un, un, un jeu pendant une semaine si ce jeu-là vous intéresse pas et que vous préférez avoir de la diversité donc euh, c'est là-dessus vraiment que je voulais euh, votre aide à ce niveau là voilà je vous fais des gros bisous je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous les gens qui vous aiment on se retrouve tout à l'heure pour The Badisher euh, Ghost New Eden et en fin de soirée pour Fanhoin Fantasy 7 euh, remake Intergrade euh, parce qu'il faut qu'on le fasse quand même avant l'arrivée de bourse sur PC je pense qu'on a un petit peu de temps avant de devoir débarquer sur PC. Mais il ne devrait pas tarder euh, tant que ça, vu la politique de Sony qui euh, bah, s'oriente énormément sur le PC. Maintenant, mise tout sur le PC, mise tout sur les jeux à service et mise tout sur le mobile. Euh, donc, euh, ça ne devrait pas tarder à arriver. Et ça devrait maintenant, euh, à un certain moment, euh, arriver simultanément sur PC pendant que ça sort en, 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 sur PS5. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Je compte sur vous. Euh, je pense. Qu'on doit pas être très loin du dénouement de euh, The Banisher euh, Ghost to New Eden, enfin, euh, je sais pas, mais je sens qu'on s'approche. Voilà, à tout à l'heure, des gros bisous et prenez soin de vous, des gens qui vous aiment. Bye.